J'ai mis une chemise à fleurs parce que, en principe, normalement, en théorie, c'est le printemps. Mais en vrai, non. En vrai, il fait froid. Bon, bref. Salut! Pour commencer, voici des nouvelles de Star des Champs, l'émission que j'ai la joie d'animer avec Axel, Tonton Alain et toute l'équipe depuis, eh bien ça tombe bien, depuis 10 ans. 10 ans d'une aventure incroyable où nous avons reçu des dizaines et des dizaines d'artistes, pour ne pas dire des centaines. C'est véritablement un cadeau que nous font tous ces artistes tous les mercredis en venant interpréter des chansons en direct dans notre émission. Cette émission a commencé il y a pile 10 ans, en avril 2012. À ce moment-là, nous n'avions aucune expérience de la radio, nous ne savions pas du tout où nous allions. Alors aujourd'hui, on a légèrement plus d'expérience. En revanche, on ne sait toujours pas où on va, mais c'est toujours un vrai plaisir d'animer cette émission tous les mercredis soirs sur Radio Diwa. Très honnêtement, nous n'aurions jamais imaginé que 10 ans après, nous serions toujours là à l'antenne. Mais voilà, on est tellement content de participer à l'évolution de Radio Diwa, cette formidable radio dans la région de Die, la Clairette de Die, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. N'hésitez pas à écouter Radio Diwa, il n'y a pas que Star des Champs l'émission, il y a plein d'émissions passionnantes. Vous pouvez l'écouter sur le 107.5 FM ou sur le 101.7 FM dans la région du Diwa et pour le reste de la planète, sur Internet. Concernant aujourd'hui, j'ai croisé le podcast que je produis en collaboration avec Bastring Corp. Nous venons d'achever la seconde saison et je tenais à remercier très chaleureusement mon ami Sylvain Foucault de Bastring Corp pour toutes ces belles rencontres. Je vous donne rendez-vous pour la troisième saison à la rentrée de septembre, voire octobre, et je sais déjà qu'il va y avoir, grâce à Bastring Corp, de très belles rencontres. Juste un truc, il n'est pas impossible que je sorte un hors-série ou deux pendant l'été, si j'ai le temps. Vous l'avez remarqué, j'aime interviewer des artistes, mais j'aime aussi collaborer musicalement avec eux, soit en bossant avec ces derniers dans mon studio, soit sur scène, soit les deux. Actuellement, je collabore avec trois artistes et surtout, je m'éclate à le faire. Je veux parler d'A.S., une jeune rappeuse et chanteuse au talent évident, de mon ami Adrien Sperry, qui nous prépare un album superbe, comme pour l'album des Toons arrangé par Franz Fagot. Un album, je vous le dis à l'avance, qui va sonner énorme. Et bien sûr, de mon vieux complice, après je sais pas trop s'il aime bien que je l'appelle comme ça, parce qu'il n'est pas si vieux en fait, hein. Mon vieux complice Ludo qui prépare un très bel album et que j'ai la chance d'accompagner sur scène. D'ailleurs, à ce sujet, on va voir un petit extrait du concert qu'il a donné à Alixin il y a quelques jours. Extrait ! Aïe ! Quoi qu'il m'arrive demain, je porterai le destin, la guitare à la main, pour la joie d'un refrain. Et toi ? Prétends être mon ami, je vais confier mes secrets, mes soucis, les faux pas qui hantent mes nuits et les causes de mes ennuis. M'écoute mais ne m'entends pas, c'est la même chose à chaque fois quand je te parle de cette fille et de sa peau sucrée couleur vanille. Quand je parle de cette fille et de son sourire joyeux et de ses yeux qui brillent. Oh oh, plus fort. Le romantique, il existe, il refuse les injustices, il parle aux étoiles, elles sont ses complices. Je plaide coupable, je suis sentimental. Un petit point sur toutes les dates qui arrivent, il y en a beaucoup, donc je vais juste les afficher rapidement ici, mais après n'hésitez pas à checker ma page Facebook parce qu'elles seront mises à jour régulièrement et sur le site www.letoons.com.
Concernant les dates du Chronic Tour, la tournée qui va suivre l'album Les Chroniques Mercuriennes, le dernier album des Toons, elle va commencer le 14 mai à Bourg-lès-Valence. Il y aura quelques dates dans l'été avec les Toons, mais c'est surtout à partir d'octobre 2022 que la tournée va réellement commencer après la sortie du clip. Le clip, justement, parlons-en. C'est notre ami David Arsac qui sera à la réalisation. David qui a déjà réalisé le clip des derniers soldats du rock'n'roll sur l'album précédent. Petite info, pour le clip, nous allons tourner dans deux lieux bien distincts afin d'opérer un vrai contraste entre les images du couplet et celles du refrain. Et bien sûr, nous allons avoir besoin de figurants. Le moment venu, je mettrai toutes les infos sur ma page Facebook. Je veux juste vous dire que les deux lieux dans lesquels nous allons tourner sont, comment dirais-je, plutôt insolites. Préparez-vous, si vous acceptez de faire de la figuration dans notre prochain clip, à vivre un moment particulier, mais de toute façon génial. Merveilleux, incroyable, hors du temps, hallucinant, stratosphérique. N'hésitez pas à checker ma page Facebook, je vous donnerai tous les détails très vite. L'album à présent, Les Chroniques Mercuriennes, le dernier album des Toons. Eh bien, au moment où je vous parle, il est fini, il est en phase de mixage chez Anthony Arconte. Sylvain Foucault n'est pas seulement le fondateur de Bastring Corp, c'est également un excellent photographe et c'est lui qui a réalisé la photo du livret. Le livret, justement, c'est Mickey, Michael Brio. S'est occupé avec talent de la conception graphique. Et je rappelle que c'est Renaud Hanson qui est à la production et à la direction artistique, comme ce fut le cas sur l'album précédent, Partisans du Chahut. L'album sort le 20 avril, c'est-à-dire dans quelques jours, sur les plateformes uniquement dans un premier temps, et pas forcément en entier, pour garder un peu de mystère, et surtout par respect pour les gens qui vont se le procurer en physique. Pour vous procurer l'album en physique, je vous en parlais tout à l'heure, rendez-vous le 14 mai à Bourg-lès-Valence, salle polyvalente de l'Allée, pour cette soirée qui s'annonce absolument immanquable. Nous allons jouer l'album dans son intégralité, il y aura des invités, il y aura des surprises. Voilà, s'il y a une soirée à ne pas rater, c'est bien celle-ci. Cela dit, la semaine d'après, il va y avoir une soirée un peu folle, je crois. Je vous en reparlerai. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, je voulais rajouter un petit truc. Merci d'avoir été plus de 600 à regarder ma vidéo challenge, une vidéo où on me voit pendant 19 minutes faire le zouave en collant de gym. Bref, merci, c'est important pour moi parce que cette vidéo, j'y avais mis du cœur. Alors évidemment, 600 personnes à l'échelle de YouTube, c'est parfaitement dérisoire. En revanche, à mon échelle et avec ma centaine d'abonnés, c'est un score tout à fait honorable. Donc merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder sur ma chaîne, je vais la mettre en lien quelque part. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien et vive la musique et vive Freddie Mercury parce que il y est pour beaucoup hein, dans tout ce que je raconte. Stop that shit. Continuez à checker mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, portez-vous bien et surtout, vive la musique. Allez, salut. On est bien là? On n'a rien oublié? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.